Julien Didier de l'agence DND et Christophe Didier de l'agence DND. On est donc sponsor du Bargento depuis maintenant 5 éditions. À peu près, mais présent depuis la toute première édition, le Bargento Zéro, dans un café. Voilà. Donc la 7e édition, ça nous fait toujours super plaisir d'être là, de revoir les amis, les copains, les partenaires, toute la communauté, les gens qui sont là depuis vraiment la première heure avec nous. Et voilà, rencontrer l'éditeur aussi, et puis voir que les choses avancent aussi du côté de Magento, par le biais du CUMEF notamment, le club d'utilisateurs de Magento en France, les experts Magento qui sont à côté, dont on fait partie. Et voilà, donc toujours avec autant de joie et de dynamisme autour de Magento. Voilà, on continue d'aimer cette solution. Je suis directeur de création, Christophe, directeur technique. On a fondé l'agence il y a 8 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on a identifié Magento il y a un peu plus de 4 ans et demi, lorsque Magento a fait ses premières armes. On a très vite senti le potentiel de la solution. Et aujourd'hui, on fait à 90% des sites e-commerce sous la solution Magento, avec pas mal de sites en version entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une solution qu'on aime particulièrement, qu'on propose à nos clients. Et nos clients sont très satisfaits. Chaque projet est unique. Chaque projet est différent. On prend chaque projet comme un challenge, soit un challenge au niveau technique d'intégration, ce qu'il y a à faire, soit un challenge au niveau délai. Donc sortir un Magento en 3 mois, on le fait pas tous les jours, on le fait parfois, on le fait pas non plus pour tout le monde, ça dépend du projet, mais on peut le faire, on l'a déjà réalisé, ou des intégrations assez poussées, notamment pour Lancaster, assez récemment, avec des technos de dernière génération côté front, voilà, avec beaucoup d'optimisation, un site très très rapide à charger, en dessous de 100 millisecondes à peu près, donc ce qui est quand même pas mal, sachant la lourdeur de base de Magento lorsque c'est pas optimisé. Voilà, donc tous les jours on relève de nouveaux challenges, de nouveaux défis, et puis de par nos partenaires, on essaye de proposer à nos clients un site e-commerce le plus optimisé, le plus interconnecté, et voilà, pour qu'ils transforment de plus en plus, quoi. Et donc c'est le cas aujourd'hui avec nos clients, on en est très contents, ils nous le rendent bien, et voilà. Et puis longue vie au Bargento. Ah oui, et longue vie au Bargento.